Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Diablo 93. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. O57 en élimination confirmée hardcore sur la map Slum qui va être une très bonne partie pour moi. Alors là, je regarde bêtement. Enfin, soit. Je tire ça du mode studio. Donc, je trouve que là, Autopara, le plus gros play, je trouve que c'est une très très bonne partie. Enfin, très très bonne. Voilà quoi. Et alors, j'ai eu une microstation orbitale avec ce petit film. Donc là, je voulais choisir le balista, puis je me suis dit que je pouvais faire. Parce que comme j'ai monté le 5-7, nord, bien sûr, et j'ai ramassé les plaques évidemment pour me faire des points, c'est toujours plus facile. Voilà, alors aujourd'hui on va aborder un petit sujet où je vais vous parler des armes de poing. Alors on va commencer par le premier, c'est le 5-7. Alors le 5-7 qui est pas très facile d'utilisation, enfin après moi c'est, enfin après ça c'est mon avis, il est pas très facile d'utilisation, donc pour ceux qui l'ont en or ou pour ceux qui vont l'avoir en or, je vous dis bien joué. Enfin, moi je l'ai bientôt en or, il n'y a plus que 3 sanguinaires. Enfin, soit, vous en foutez. Donc voilà. Alors, le 5-7 c'est un très bon pistolet. Enfin, une très bonne arme de poing. Il est très bon de loin et de près. Il est très bon de loin et de près et tout et tout. Franchement, je l'aime bien ce petit flingue. Enfin, cette arme de poing. Alors. Qu'est-ce que j'ai à dire maintenant? Pour ce qui est maintenant. Le TAC 45. Alors, le TAC 45, c'est. C'est l'un des plus puissants qui tire coup par coup. Ça, je peux vous le dire. C'est l'un des plus puissants que j'ai remarqué en tout cas. Franchement, il est vachement bon. Par contre, de loin, faudrait limite mettre canon long. Pour évidemment. Pour les avoir plus facilement de loin. Donc là vous allez voir que je vais un petit peu camper parce que j'étais proche de mon micro. Enfin je croyais que j'étais proche de mon micro. Mais en fait oui, j'étais proche de mon micro. Alors maintenant on va passer au B23R. Ouais. Donc le B23R qui tire en rafale. Donc là j'ai eu vraiment de la chance et là je l'obtiens à une crostation orbitale. Donc voilà, c'est la seule de la partie. Donc voilà. Donc là je balance mon colis, je sais pas pourquoi. Et là je l'ai. Et là je l'ai tué par. Donc le B23 qui est très très puissant. Voilà. Il est très très puissant. Moi je l'adore. Enfin je l'aime bien celui-là. Il est très facile d'utilisation. Donc voilà. Et là, je vais me faire tuer. Voilà. Le B23, il est vraiment très très chouette. Enfin, moi, je l'aime bien. Après, chacun ses goûts. Hein. Et ce que je vous conseille dessus, c'est chargeur rapide. Donc, chargeur rapide. Et limite canon, au pire. Mais ça, c'est si vraiment vous en sortez pas. Parce que moi, je m'en sors très bien sans chargeur rapide. Enfin, sauf quand je suis rapide, mais bon. Canon long, pardon. Ou soit peut-être le silence. Enfin, ce que je vous conseille, c'est soit le canon long, soit le viseur laser, soit le chargeur rapide. Enfin, après, c'est mes trucs. Ah oui, sur le TAC 45, je mettrais. Canon long et viseur laser.
est sur le 5-7, charge rapide et viseur laser aussi. Non, charge rapide, oui, viseur laser. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, maintenant, l'exécuteur. Alors, l'exécuteur, je vais vous dire sincèrement, je le déteste. Quand je devrais le faire, franchement, ça a un peu énervé. Parce que je déteste franchement cette arme. Mais alors là, incroyable. Je déteste vraiment cette arme. Oula, petit bug. Parce qu'elle est pas très très puissante, hein. Mais bon, comme accessoire, je mettrais canon long et charge rapide. Encore une fois. Parce que voilà, c'est très. Enfin, moi j'arrive pas à le manier. Peut-être que d'autres y arrivent. Donc voilà. Je fais du 19-9. On a combien de temps de vidéo? 6-40. C'est vrai, je peux parler pendant une minute. Alors maintenant, passons au Cap 40. Cap 40 qui est. Cap 40 et pas Cap 45 évidemment. Le Cap 40 qui est. Enfin, pour moi, est dur de. À manier. Parce que quand vous tirez, il monte comme ça. Enfin, il monte en l'air quoi. Et ça, c'est vraiment énervant. Donc voilà. Je sais pas si j'ai tout dit. Regardez ce qu'on peut mettre. Je crois que c'est bientôt la fin de cette vidéo. Ouais, très très bientôt. Et si j'allais dire d'autres, moi, je ne sais plus. Et c'est moi qui va faire la clicam, moi. Donc le Cap 45, je vous conseille. Voilà, ça c'est la clicam. Ce que je vous conseille dessus, c'est canon long et viseur laser. Moi, c'est à peu près ce que je mets tout le temps. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et qu'elle vous aura plu. Allez, ciao ciao tout le monde et pensez à mettre un j'aime et abonne-toi. Salut salut.